Assalamu alaikum les gens! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Naz06bis et on va regarder une story de Bassem Braiki et après sa vidéo, je vous dirai mon propre avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, bon visionnage. Bassem Vénitier 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Qu'est-ce qu'on entend, le bruit des bottes? Très bon ça, très bien, très bien. Il y a quelques mois, il y a une vidéo de moi qui avait fait polémique. Comme d'hab, je sais pas, on dirait que je suis le père des gens. Ou... bref, qui était passé à la télévision, Christine Kelly, animateur de CNews, avait fait un débat dessus en disant qu'est-ce que veut dire Bassem quand il dit que au cas où ça pète, il choisirait les siens. Ouais, contrairement à vous, bande de traîtres, moi j'ai pas hésité une seule seconde à dire si demain on attaque ma communauté au nom de ses origines, de son ethnie ou de sa religion, je serai moi contre eux. Je n'hésiterai pas une seule seconde. Donc quand je dis moi, c'est pas moi dans le sens où j'irai contre eux ou non. On mobilisera pour, bien évidemment. Je l'ai toujours dit ça moi. Mais pour le faire, il faut qu'on ait rien à se reprocher. Et pour qu'on ait rien à se reprocher, il faut qu'on nettoie les merdes de notre communauté qui leur donne du grain à moudre tous les jours et qui pense les combattre. Vous avez vu Place de la République, vous avez vu ce qui se passe encore, vous avez vu toutes les agressions qui arrivent d'un côté comme de l'autre, on y est. Mesdames et messieurs, on y est. C'est pour ça que je vous ai dit au début, on commence à entendre le bruit des bottes. Parce que qu'est-ce qui va se passer avec tout ça? Ah, excuse-moi, je viens d'entendre le FC Twitter pleureuse, le FC... Ah, c'est de ta faute, c'est à cause de toi tout ça, c'est de ta faute. Ah, pourquoi? Parce que c'est moi qui jetais des pierres en train de crier Allahu Akbar. Parce que c'est moi qui a dit à la mère Anaël de faire une manifestation un jour avant ça. Ouais, mais c'était l'anniversaire de la date de la mort. Il n'y a pas d'anniversaire chez nous. Il n'y a pas d'anniversaire tout court. Anniversaire pour l'âge, t'as 31 ans, joyeux anniversaire. Ou anniversaire de mort, encore moins. Après, chacun fait comme il veut. Bon, ça, ça a été une passe décisive, comme d'habitude, parce qu'on leur fait depuis 30 ans. Là, ce qui nous arrive, c'est ce qui nous pend au nez depuis 30 ans. Et moi, j'ai essayé d'anticiper, de vous le dire à plusieurs reprises, avec mes mots, avec ma manière de parler, pour essayer de mobiliser et de choquer. Mais vous, non. Il a tout whipping. Ah, c'est un suceur. En tout cas, c'est pas moi qui chante dans un clip. On y est, on y reste. Moi, je sais que je suis français administrativement, fier d'être français. Je sais que je ne serai jamais français dans les mœurs. Et tous ces gens-là, je les enfile et sans vaseline. Donc, pour remercier la France, je me tiens bien, je me comporte bien. Je n'insulte pas le drapeau français et je ne suis pas ingrat, tout simplement. Vous, vous l'êtes et à la fin, vous faites des clips « We are the world », on est ici, on y reste. Vous avez le complexe du colon. Vous êtes 100% français, tout simplement. Maintenant, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est que le boulanger du coin vous a dans le cœur ou c'est que vous pouvez élever vos familles et travailler, avoir une conscience professionnelle et des bons postes professionnels que nos cousins ont au bled? Je mens? Je mens ou pas? Non? Ok. D'accord, vous voulez aller où? C'est qui nous couvre médicalement, nous et nos enfants, comme ça? Certes, j'ai envie de vous dire, il faut que tout le monde soit main dans la main. Même ceux qui ne s'aiment pas, il faut qu'ils soient main dans la main, entre guillemets. Moi, je l'ai toujours dit, si demain, un exemple, je suis président, dans mon gouvernement, il y aura tout le monde. L'extrême gauche, l'extrême droite, le milieu gauche, il y aura tout le monde. Et je les menacerai. Vous êtes obligés de vous entendre, sinon je vous fous en prison. Oui, mais pourquoi nous? Parce que vous représentez la France. Le gouvernement, ça doit être la France, tout simplement. Donc arrêtez de dire... Et surtout, comme on fait son lit, on se couche, on vous dit depuis le début. Et rappelez-vous, avant même que les élections allaient arriver, je vous ai dit, moi, c'est pas la politique que je crains, c'est la France. Quel message on a envie de faire passer? Réaction des gens. Civil war, tout simplement. Les langues vont se délier. On y est. Donc voilà, mesdames et messieurs. Après, vous allez me dire quoi encore? Ouais, Bassem ci, Bassem ça. La tête de ma mère, les premiers agents du RN, c'est vous. Parce que quand on va Place de République, on met tous les drapeaux, sauf celui de la... Ouais, mais Bassem, toi, depuis le début, tu fais campagne contre les filles. Mais bien évidemment, LF merde, mais c'est une blague ou quoi? Ouais, pourquoi tu parles pas du RN? Parce que pour moi, le RN, il est inexistant. Tous ces gens, c'est des peureux.
tout simplement. Ils n'ont pas les couilles et ils n'ont pas les épaules que Jean-Marie Le Pen, il avait, entre guillemets, dans le débat politique, je parle. C'est pour ça qu'ils l'ont mis de côté. C'est qu'ils se sont aseptisés pour plaire aux Français moyens, entre guillemets. Je suis un patriote nationaliste, entre guillemets, et communautaire. Ça veut dire que je respecte l'endroit où je suis, je respecte le drapeau, son institution. Je remercie ce qu'elle a fait pour moi, pour m'avoir élevé. Mais c'est pas pour autant que je me métisse avec son peuple. Ou c'est pas pour autant que je me reconnais dans son peuple. Tout simplement. Mais ça n'empêche pas de respecter les gens. Et c'est ça que nous, on n'a pas réussi à faire. Donc là, tout ce qui arrive, ça nous pend au nez depuis 30 ans. Et pour Macron, lui, ce qui l'intéresse, c'est uniquement mettre à genoux les gens comme vous qui êtes des girouettes pour vous forcer à voter pour lui pour faire barrage contre le RN. Mais il n'y a plus de barrage contre le RN depuis longtemps, vu que le RN n'est plus un parti extrémiste, entre guillemets, comme il y avait avant. Parce qu'ils sont capables de faire des coalitions, ils sont capables de faire de la traîtrise, tout simplement. C'est les extrémistes pour les fragiles. Moi, ces gens-là, ils ne me font pas du tout peur. C'est ça qu'il faut vous dire. Parce que malgré que je suis dans un enfant de Tunisien, je peux te dire que j'aime plus la France et respecte plus la France que ces gens-là. Donc, ils n'ont rien à me faire, moi. Il n'y a que les complexés qui ont peur. Et que les swags qui ont peur. Tout simplement. Juste après la manifestation pour Naël, Allah irahmou, il y a eu un appel à la prière et une lecture de Coran en plein haut-parleur, en plein Paris, en plein avec tous les symboles qui vont avec. Wallah, j'ai même pas envie de parler sur les gens parce qu'avec Internet, ils ont tellement le seum quand tu dis la vérité qu'ils vont transformer tes propos. Mais c'est vrai que la personne à qui on rendait hommage aussi, Allah irahmou, pour faire tout ça, c'est vrai qu'il revenait du Hajj et bon, vas-y, bref, Wallah al-Azim. Vas-y, c'est bon. Voilà où on en est. Voilà. Vous pouvez en vouloir qu'à vous-même. Salam alaikum. Là, en ce moment, il y a une vidéo de moi qui tourne. C'est repris sur Twitter et il y a des avocats qui se rassemblent, toutes les victimes. Là. Si vous vous sentez touché par ces propos, je vous enfile et sans vaseline. Avant de mettre mes vidéos, j'en parle à mon avocat. Il n'y a rien. Vous dites incitation à la haine en quoi? Incitation à la haine en quoi? Je ferme les frontières, c'est une incitation à la haine? Je mets un sniper tous les 3 mètres, oui, c'est pour l'ordre et la discipline. C'est une incitation à la haine, ça? Vous êtes pas avocat? Vous êtes avocat dans une salade niçoise, plutôt. Les vrais avocats sauront que vos revendications sont nulles. À aucun moment, j'ai fait appel au meurtre ou j'ai fait appel au crime. Donc, encore une autre fois, je vous enfile et sans vaseline. Donc, faites ce que vous avez à faire, nous ferons ce qu'il y a à faire. Et comme d'habitude, au pire des cas, 8-9 heures, et après on sort. Après, c'est pas un blème. Mais là, je connais mes propos quand même. J'ai été condamné pour des choses comme ça. La première fois, c'est pas de ta faute, mais la deuxième fois, c'est de ta faute. Et il n'y aura jamais de deuxième fois. Donc montez là-dessus et faites l'avion. Et allez voir même l'armée. Allez voir même le pape. Parce que c'est facile. C'est facile d'être spécialiste du commérage et de la lécherie de mon paf. En prenant mes vidéos et en les coupant. Moi, à la radio, Dieu merci, hein, je l'ai dit à un moment aussi, on parlait des étrangers qui foutent la merde. Et heureusement, dans ma vidéo, je parle des étrangers aussi qui travaillent, qui eux, qui sont là, et il faut les aider par le mérite, tout simplement. Mais vous, vous n'aimez pas la vérité, parce que votre parti de merde et tous ces bobos et démagos que vous êtes les premiers combustibles du Rassemblement National. Vous avez vu la flamme du Rassemblement National? Si elle brûle, c'est grâce à des gens comme vous. Vous pensez les combattre avec vos démagogies, vous êtes les plus grands combustibles de ce parti-là, tout simplement. Je dis des choses que tout le monde pense, et je les dis avec mes mots de quartier, avec mon instinct. Et vous, vous voulez me mettre calife à la place du calife, en me prenant pour un porte-parole, bande de merdeux que vous êtes tous. Pour vous, je suis un porte-parole que quand on parle de politique, entre guillemets. Mais quand on parle de sport ou de métier, je ne suis pas un porte-parole, là. On a compris votre technique, où vous voulez me voir dedans. Et même si j'irai dedans,
Je ressortirai, j'irai dedans, je serai sur une jambe. Je continuerai mes snaps, je m'en branle de vous, moi. Vous, vous voulez me faire rentrer au Heps, mais jamais. Et même si je rentre, je la fais sur une jambe et je ressors et je recommence. Vous comprenez pas? Vous niquez mes comptes, je recommence. Vous comprenez ou vous comprenez pas? Putain de merde. Il y en a, quand t'enlèves leurs comptes, ils n'existent plus. Et il y en a d'autres, ils ont créé des choses. Et ils sont là, tamponnés. Et pour finir, il y a une chose que vous n'avez pas compris. Arrêtez de cacher votre défaite. Arrêtez de cacher votre cynisme et votre laxisme derrière des gens comme moi, en accusant des gens comme moi. Vous êtes un parti politique de merde, vous savez rien. Tout le monde le sait, ça. Tout le monde sait que vous êtes des hypocrites, égoïstes, démagogiques, profiteurs. Tout le monde le sait, ça. Donc, pourquoi vous avez peur de l'avenir, entre guillemets? Moi, je suis pas un exemple en tant que musulman, je suis pas un exemple en tant que citoyen, mais j'ai des valeurs et des principes, donc j'ai pas peur par rapport à moi. Il n'y a que les swags de merde, il n'y a que le tous ensemble, le We Are The World de mes couilles et le métissage de mes caves qui sont là et qui vont dire « Oh, regarde, regarde, c'est un danger, c'est un danger !» Non, on n'est pas des dangers, nous. Nous, on veut juste vivre dans un pays où il y a de l'ordre, de la discipline et du mérite, tout simplement. Mais bien sûr, si on pointe du doigt votre côté humanisme qui vous rapporte de l'argent et qui vous rapporte des abrutis qui iront vous suivre même dans le trou de l'enfer, c'est ça qui vous gêne. Donc arrêtez, s'il vous plaît, vous êtes pathétique, si de ridicule tu es, vous aurez été mort sur le coup. Arrêtez de cacher votre faiblesse et votre défaite depuis tant de ces années derrière des gens comme moi, tout simplement. Moi, le RN, je l'emmerde et je l'enfile. Moi et les filles, je l'emmerde et puis je l'enfile. Est-ce que vous comprenez? Mettez-vous bien ça dans la tête. Et voilà, c'était la story de Bassem Brahiki. Voilà, Bassem Brahiki, toujours aussi communautaire. Après, la France est un pays d'assimilation, d'intégration et d'assimilation. Sauf que, force est de constater, l'assimilation ne marche pas. Voilà. Ne marche pas. Ça ne marchera pas tant que les gens ne se sentent pas français à part entière. Ne se sentent pas français et aimer la France, voilà. Tout simplement. Après, ça peut marcher. Hein. Ça peut marcher, les communautés peuvent marcher, mais selon des règles, bien sûr. Après, c'est des arguments qu'on donne au Rassemblement National, parce que c'est un de leurs fers de lance de retirer le droit du sol en France, voilà. Ils disent, ouais, pourquoi on donne le droit du sol à des gens qui ne se sentent pas français, voire au mieux qui ne se sentent pas français, au pire qui crachent sur la France. Donc c'est un des arguments du Rassemblement National pour enlever le droit du sol, et ça n'a rien à voir avec l'Union Européenne. Chaque pays européen n'a pas le même droit du sol. En Espagne, il faut être né en Espagne pour bénéficier du droit du sol. Il faut avoir au moins un des deux parents qui est né en Espagne. Sinon, tu n'obtiens pas la nationalité espagnole aussi facilement qu'en France. En France, il faut être né en France et il faut y avoir résidé, je ne sais plus, 6 ans ou jusqu'à ses 18 ans. Donc, voilà. Voilà. Après, ça va plus se jouer le Rassemblement National sur des lois pour retirer les allocations familiales aux parents d'enfants multirécidivistes, de les expulser des HLM s'ils ont des enfants multirécidivistes, les déchéances de nationalité pour un oui, pour un non, les expulsions des OQTF, des obligations de quitter le territoire français, et tatati tatata, toutes les semaines des propositions de loi. Et il faut savoir que le Sénat est très à droite, hein. Est très à droite. Donc s'ils ont une majorité relative ou absolue à l'Assemblée, les lois, elles vont passer comme des lettres à la poste, vu qu'elles doivent être votées à la fois, toutes les lois doivent être votées à la fois par le Parlement et par le Sénat, et ratifiées par le gouvernement et le président. Donc le Sénat, on le sait depuis un bon bout de temps, le Sénat est très à droite. Hein. Donc, après, qui passe maintenant ou qui passe en 2027, ça serait pire.
Parce que s'ils gagnent la présidentielle en 2027, ça voudrait dire qu'ils ont une majorité absolue. Et donc une majorité absolue au Parlement. Pas une majorité relative ou avec une alliance qui essaierait de les calmer, de les canaliser et tout ça, non. Ils auraient les pleins pouvoirs en 2027. C'est-à-dire présidence, gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat qui est très à droite. Le Sénat, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il a une majorité de droite. Donc, en 2027, les lois, elles vont passer comme des lettres à la poste. Il n'y aura pas de veto, de, je sais pas, présidentiel, tout ça. Donc, dans le cadre d'une cohabitation, donc, en 2027, s'il passe, ça serait pire. Et je pense que, comme il dit Bassem, certains ouvrent un boulevard. Voilà, font des passes décisives. Et je pense que c'est pas fini jusqu'en 2027. Voilà, y en a, ils vont continuer parce qu'ils sont pas conscients, parce qu'ils ont l'âge bête, parce qu'ils sont cons, parce qu'ils sont mal élevés, parce que. Et ça met un climat anxiogène. Et on se concentre sur les banlieues au lieu de se concentrer sur les problèmes économiques, sociaux, les problèmes internationaux, tout ça. Donc, on verra bien, mais je pense que les gens qui n'ont rien à se reprocher, ils n'auront pas plus à se reprocher après. Voilà, ils n'auront pas plus à se reprocher après. Je pense, après, communauté, dans le cadre des communautés, vu que l'assimilation ne marche pas du tout, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Le système de communauté, par contre, c'est pas sans règles. Voilà, parce que là, on parle de communauté, mais c'est un peu anarchique, quoi. C'est un peu anarchique dans les quartiers. Par exemple, des communautés, comme les communautés gitanes, je ne dis pas que tous les gitans sont parfaits, tous les gitans sont gentils, tout ça, mais ils ont une communauté, ils ont quelques brebis galeuses, bien sûr, comme chaque communauté. Mais on entend moins parler des gitans quand même, on entend moins parler. Ils ne sont pas non plus moins. Mais ils ont un chef. Voilà. Dans les quartiers gitans, ils ont un chef qui s'appelle le patriarche. Donc, quand il y a quelque chose, le maire, ben, il va pas discuter quand il y a problème avec les gitans, il va parler avec le patriarche, le représentant, le responsable. Et lui-même qui essaye, avec des bras de sa communauté, des jeunes, des hommes de sa communauté, de faire respecter certaines règles chrétiennes et certaines règles au sein de la communauté gitane. Voilà, et d'essayer de régler un peu les différends entre gitans, entre voisins, entre. Voilà, ils s'occupent. Voilà, et je pense que si on veut, vu que l'assimilation ne marche pas et qu'on est au pied du. On est sur le fait établi des communautés, autant mettre des responsables, des responsabilités. Voilà, ça permettra un meilleur dialogue en cas de problème. Après, on verra bien comment ça va se passer. S'il faut, le Rassemblement national ne changera pas grand-chose, à part quelques lois, à part peut-être une plus grande fermeté au niveau du ministère de l'Intérieur, quelques petites règles au niveau du ministère de l'Éducation. Voilà, comme j'ai dit, quelques lois sur les avantages sociaux accordés à certains. Parents de multirécidivistes, par exemple, ça risque de se jouer sur des trucs comme ça, avoir des déchéances de nationalité. S'il faut, ça va pas changer grand-chose aux gens qui se reprochent. Après, oui, il y a des nazis, voilà, qui vont juger juste sur la couleur. Voilà, quelqu'un qu'ils connaissent pas parce qu'il est bronzé, ils vont l'insulter, par exemple, ou se moquer de lui, ou voire le violenter. Alors que s'il faut, c'est une personne qui aime la France et qui défendrait la France. Après, t'entends les extrêmes, des extrêmes, des extrêmes, des suprématistes blancs, voilà, qui ne calculent que la couleur, qui ne veulent pas voir au-delà de la couleur. Alors avec eux, ça va être dur de débattre. Mais j'ai déjà discuté avec un skinhead qui était dans ma classe. Et ça, c'est les. Finalement, il s'est même un petit peu déradicalisé à force de discuter avec moi.
On s'était croisé dans un bar avec sa copine, on a bu des verres et tout ça. Et... Voilà, moi j'avais pas vu ce tatouage, c'est par la suite j'ai vu ce tatouage. Après, bon, il avait pas l'air non plus. Voilà, il y a des gens, peut-être ils sont dans l'âge bête, ils ont peut-être une période. Voilà, il y a des radicaux qui se déradicalisent. Voilà, c'est des sujets longs, on peut en parler très longtemps, je pense. Hein. Mais je vais arrêter cette vidéo-là, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYNA06bis. Tchuss et à plus.